What's up boys, c'est White, votre youtubeur Rainbow Six préféré ou pas. Et aujourd'hui on se retrouve pour un dans la peau d'un requin, un concept qu'on n'a jamais vu sur YouTube, un concept qu'on n'a jamais fait ou pas. Je vous propose d'y aller tout de suite, c'est parti. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, que ce soit les dans la peau d'un requin ou dans la peau d'un abonné. Oui, ça on a déjà fait aussi. Et même les clips des abonnés, les gars, si vous voulez revoir des clips des abonnés, n'hésitez pas à m'envoyer vos clips les plus ouf, que ce soit sur Rainbow Six, Fortnite, Realm Royale, tout ce qui touche tout simplement au jeu de shoot, etc. Vous me l'envoyez dans l'adresse email dans la description et on refera de nouveau des séries de vidéos dédiées à ça. Juste évitez les clips de merde en casu ou... Et surtout, n'oubliez pas de me donner l'autorisation quand... The game you are trying to join is full. What? Ça veut dire que le jeu a essayé de m'envoyer dans une game qui était déjà pleine? What? Bon, un petit chalet, ici c'est Courchevel. On est en France, hein. En France, un beau pays, n'est-ce pas? On va prendre une petite Ibana ou une Twitch. Je sais pas, peut-être. Twitch, Ibana, je sais pas. J'ai bien envie de jouer Twitch, j'ai envie de jouer des persos un peu plus agressifs ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Ouais, on va rester sur une petite Ibana pour aller ouvrir tranquillement, pépère détendu, tout ce qui est trap et tout. Puis ensuite, on ira aller travailler au calme sur BP. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous intéresse toujours, parce que c'est vrai que ça peut être un peu chiant. Genre, au lieu de faire des vidéos détente et tout, bah le père White, il arrive avec ses grands sabots, son sac à dos, bon les gars... Là, on est sur le chalet, on va faire comme ça, on va ouvrir une trappe, on va faire ci, tadadin. C'est peut-être un peu casse-couille d'avoir un deuxième prof pendant les périodes de vacances, non? J'ai l'impression qu'ils sont dans le garage, c'est un truc. Ça, tu sais que quand ça se passe comme ça, c'est du bailo. Ouais, c'est du garage. Alright. Et ça prépare un gros run-out de sa mère, ou alors un gros bandit trick. Bonsoir. Tu m'excuses. Alors maintenant, la répartition des points a changé aussi. Quand quelqu'un ping, c'est tout le monde qui a les points. Ah, les mecs qui passaient leur vie sur les drones à spotter les ennemis sur les drones de tout le monde, ça vous casse les couilles maintenant, hein. Vous gagnez que plus 10 points. C'est chiant, hein. Vous pourrez plus faire top scoreboard juste en pingant des mecs. On va commencer tout doucement de ce côté-là, il y a déjà une Valkyrie qui sort. Ah, en vérité, je sais pas si... J'y vais en YOLO ou pas, si je vais y aller en YOLO. Tant pis s'il y a du monde, on prendra la fight. Ok, lui il est mort où? Oh ben, tu faisais quoi là, mon petit poulet? Bah lui, il était du père. Un doc roaming. Ne faites jamais ça à la maison. Au moins, est-ce qu'ils savent déjà que je suis dans le bar ou pas? Tant pis, vas-y, on y va, YOLO. We only got one life. On va descendre et on va essayer de les back. Oh, j'ai tout patate. Oh non! Le lésion qui m'a ruiné toute ma vie. Il était couché où, lui? Je viens vraiment de rater ça, j'ai tellement ruiné, je me suis laissé bait. Ne prenez plus jamais de conseils venant de moi, c'est pas possible. Avec ce qui vient de se passer là, vous devriez avoir honte, vous devriez me blâmer. Vous devriez me blâmer. C'est Maestro, je sais pas pourquoi c'est un perso qui n'a absolument pas été design pour le roaming, mais je prends un putain de pied à aller me balader, casser des fenêtres, shooter des mecs dehors. C'est un délice. Jouer le long shoot avec Maestro, vous devriez l'essayer sur toutes les cartes. C'est un putain de bonheur. On va essayer de prendre un petit spawn kill détendu. Juste là, en sortie de colline. Ici, sur le chalet, vraiment, c'est l'un de mes spawn kills préférés. Il est facile à faire, il t'expose pas du tout. Maintenant, on va voir si effectivement il y a de la descente ennemie ici. Et je l'ai raté, putain. À cause, j'aurais dû casser la vitre, je le savais. Elle est là, elle est dans les escales, je l'ai vu. Bam! Ça, c'est de la reprise de volée, mon pote. Lève-toi et marche, car c'est Jesus, notre père, à tout ce qu'il a dit. OMG, fort top. T'es triste, hein, enculé. Nice. Mais il est déjà sur site? Oh là là, mais ils sont déjà sur site! C'est quoi cette game de ouf? Y'a même pas trop de rotation, y'a rien du tout. Comment ça pue la merde? Bah vraiment, je vais vraiment, vraiment commencer à faire attention sur cette partie-là parce que c'est super mal engagé. Hein. J'ai l'impression que je suis avec des mecs volontaires. C'est comme à l'école, tu sais, t'as le cancre de la classe qui est super volontaire, mais qui arrive à rien. Comme là, il fait quoi le bandit? Cours!
cours, cours dans ses balles. Lui, c'était le cancre de la classe. Tu sens que il a envie de faire un truc, mais il sait pas trop. Alright, alright, alright. Comme convenu, c'est bien dans la cuisine. On avait tout à fait raison sur les prédictions, effectivement. Hein, comme c'est du bailo, ça fait tout à l'envers. On va récupérer quelques points quand même. Et eux, ils sont intelligents puisqu'ils font des trous de rotation. Ça, c'est bien. Non. Un drone, ça coûte cher, frère. Je suis désolé, mais ça peut pas se passer comme ça. Je te le laisserai pas, mon pote. Ça m'a l'air good. Good, super good, allo, super good. Rien qui est couvert ici, je peux peut-être taper un rush sur BP. On va rusher sur BP. Let's go. Let's go. I'm on site. I'm on site. Ça c'est pas propre. Ça c'est pas propre. C'est qui est là? C'est moi ou pas? Wow! We got the pulse. Et par contre c'était pas une tête ça. C'est le moins 4 qui part sur un rush comme ça. Ah non, c'est pas une... Ok, il y a zéro tête, zéro HS. Je viens de lui tirer dans le genou, là. Dans le genou, c'est ce que vous venez de me dire. Je viens de lui tirer dans le genou. Aucun problème. Un petit coup de barbelé, toujours. On ouvre une ligne dans la cuisine parce que ça fait plaisir, hein. Les aérations. Là, ma chérie, je verrais bien une porte dans la cuisine, effectivement, pour pouvoir faciliter le passage entre le salon et la cuisine. Eh, mon bébé! Viens. Bonjour. Viens. Je vous présente ma nouvelle fille. Et... Oui, on était content. Oh là, il est beau. Oh là là, oh. Allez, descends. Voilà ma triste vie de la trappe à drone pendant que j'étais en train de faire des léchouilles à mon chien. Je savais qu'on aurait pas dû emmener ton chien avec nous, bébé. Je suis mort. Où elle est? Elle est là? Voilà, terminé. Du coup, je sais pas si on va directement sur site ou pas. On peut essayer. Où il est? Lui, il est mort où? Juste au-dessus dans le main, je crois. À mon avis, j'ai dû être annoncé côté garage. Maintenant, on va repartir de l'autre côté. Oh, je l'ai pas eu. Non, il m'a laissé crever. Allez, tu le fais, là. Aïe. Allez, les gars, on reste focus. Il est dans le couloir. Tu sais qu'il est là, mon frère. À patte pour le move décisif qui est une recrue shotgun. Va-t-il le faire? Oh mon dieu. C'est tellement passé close. Oh. Hop, il rate le premier. Boum, il met le deuxième. Je comprends pas comment il est pas tombé tout de suite en PLS, mais ouais, close, avec un K. Waouh. Bon, on part déjà sur un 9 kills. C'est pas aussi bien que la partie que j'ai fait tout à l'heure parce que... En fait, je vais vous expliquer. J'ai commencé à filmer sur Café d'Obstrovisky. Je voulais vous montrer une ligne de ouf. La Magic. Et je commence à rec, putain, je me fais enculer la première, je me fais enculer le deuxième round. Putain, j'arrête pas de me faire sécher. J'ai pris deux one, je me suis fait sécher sans même pouvoir me défendre. Et putain, je coupe le record et tout, je commence à me remettre dedans, je sors 11 kills au calme, mais vraiment détendu quoi, sans faire trop d'efforts. Hein. Rentre.
Get baited, bro. J'ai entendu du monde. Y'a rien là, la trappe elle est pas ouverte ici. On va aller descendre vite, 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 et on y va. Voilà. Oh, il en reste deux. Ah, moins un. Nice. Je le voyais même pas, le mec. J'ai juste réflexe et j'ai tiré en direction des balles. Que j'ai vu arriver sur moi, quoi, c'est insane. Putain. Deux derrière le poteau du milieu. J'ai pas eu. Où elle est? Où elle est? Où elle est? Où elle est? À la Wakbar. À la Wakbar. Non! Shit! C'est quoi cette game de merde? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Putain, 16k! Bon, encore un peu, je suis à 20! Là, y'a personne, là, y'a personne. Let's go! Hey, t'étais pas là, toi, avant! T'étais là-dedans à la base! Let's go, let's go, let's go! Attention! Alors lui, il passe dans mes balles, 18. Pourquoi pas? On va juste prendre la décale. On va attendre légèrement pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut s'insérer dans mes cartouches à tout hasard. Allo? It's me? Nice! Donc il en reste plus que deux. Nice. Et l'autre il doit être sur l'autre BP. Voilà. Et voilà, 19. Bon, ça fera pas 20 kills, mais ça reste une très grosse game. Well played. Boom. Headshot, motherfucker. Break it, break it, break now, girl, now. Down, 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 up and down, 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 down,